Good morning, Ali Eden. L'étude sera aujourd'hui les Lonishmat. Amram Yonah ben Chana Pekibat Esther Zarabat Mazaltov Shishporti Simon Bezlanani Michel Levikov. Aussi l'Irfouat Ruth Bat Claudine Traina et l'Irfouat Simcha Bat Masoudi Betor Shah Chol Israël. Si vous souhaitez vous aussi aider les prochaines études de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Shvuot Perigimel Mishnah Zain. Shvua Shelo Ochal Kikarzo. Shvua Shelo Ochelena. Shvua Shelo Ochelena. Va'achala. Eino Chayav Ela Achat. Zohi Shvuat Bitui Shechayavin al Zdona Makot Vel Shigigatach Korban Ole Veyored. Shvuat Shav. Quelqu'un jure, je jure, Shelo Ochal Kikarzo, que je ne vais pas manger ce pain-là. Shvua Shelo Ochalena. Je ensuite, 10 minutes après, je jure que je ne vais pas le manger. Shvua Shelo Ochalena. Et je jure une troisième fois après, encore 10 minutes supplémentaires après, Shvua Shelo Ochalena. Je jure que je ne vais pas le manger. Donc j'ai juré trois fois. Je ne vais pas manger ce pain, je ne vais pas le manger, et je ne vais pas le manger. La Mishnah nous enseigne quelque chose qu'on connaît déjà par cœur. Ve'achala, bien sûr, et après il a transgressé, il a mangé. Eino chayav ela achat. Il ne sera passible que d'un seul korban chatat, parce qu'il a, il aura fait une seule, il aura transgressé qu'une seule shvua, ce sera la première. Pour quelle raison? Comme ce qu'on a déjà appris, en shvua chala al shvua. Lorsque j'ai déjà juré sur quelque chose, si je jure une deuxième fois, le deuxième serment n'entre pas en vigueur, étant donné que la chose elle est déjà interdite, selon la règle du En Issur Chalal Issur. On l'évoquait quelques minutes en arrière avec l'histoire de Rabbi Shimon. D'accord ? En Jvoa Chalal Jvoa, une Jvoa ne peut pas incomber d'accomplir une chose que l'on est déjà engagé à faire par une première Jvoa. Je ne peux pas jurer deux fois sur une même chose. D'accord ? Maintenant, vous allez me dire, l'insistance de la Mishnah, d'abord dire, je jure que je ne vais pas manger ce pain, je jure que je ne vais pas le manger, je jure que je ne vais pas le manger, c'était un peu lourd de répéter trois fois la même chose. On va en déduire, on aurait pu se contenter de le faire deux fois. Pourquoi faire trois fois ? Alors, on expliquera, d'abord, je vais arriver au bout de la Mishnah, comme ça, on s'est acquitté du devoir des mots, et puis on apportera deux précisions très importantes qui font en fait l'objet des deux longs Barthénora, deux à la chôte de déduction. D'accord ? Pour le moment, on continue la Mishnah. Donc, Eno Chayav El Achat, il n'est passible que d'un seul Korban. Maintenant, la Mishnah donne une généralité en nous disant Zoi Shvuat Bitui Shechayavin Alzdona Makot Valeshigigata Korban Ole Veyored. C'est ça le cas, tel est le cas du serment qu'on appelle le Shvuat Bitui, celui qu'on exprime en s'entendant une chose. Shechayavin alzdona makot, que l'on est passible si l'on transgresse de manière consciente, consciemment, en étant prévenu aussi, que l'on est passible d'un korban makot, on est passible d'être frappé 39 coups parce qu'on transgresse l'interdit de la Torah, un interdit de la Torah, d'accord? Lo yachel devaro, si je ne me trompe pas. Donc on transgresse, tu t'es engagé, ton dibour, ta parole a imposé une action à faire, tu la transgresses, ou inversement, ta parole a interdit une certaine action et tu la transgresses, et donc tu transgresses en cela l'interdit de profaner ta parole. D'accord ? Il y a un interdit explicite. Donc telle est la Jvoa de Bitouille sur laquelle on est passible d'un Alzdona Makot, sur le Zadon on est Chayav consciemment. On est passible d'un chiyuv makot d'être frappé, velshigigata korban ol haveyored, et que si on transgresse par inadvertance, on a oublié qu'on avait juré, ou bien plus précisément, comme c'est expliqué par la Gemara, on a plutôt oublié. Non, ouais, on a oublié qu'on avait juré, d'accord? On a oublié que si on transgressait un interdit de jurer, que c'est un interdit aussi grave. Voilà comment la Gemara le présente. Il y a des raisons pour ça, mais ça va être trop lourd d'expliquer ça à l'oral. Si on le rencontre dans les prochaines Mishnayot, on l'expliquera mieux, dans les chaînes. Je crois que ça apparaît. Adam Mishbo. Donc, Zoï, je vois, plutôt, Ishikhaïven, Alzona, Makot, Valachigigata, Korbano, Laveyored. Et donc, que Beshogeg, si c'est par erreur, qu'on transgresse, on sera passé d'un Korban, Ole, Veyored. C'est un Khatat qui s'appelle Ole, Veyored, que l'on a la possibilité de la porter selon plusieurs niveaux. Soit le niveau top pour celui qui a les moyens, soit le niveau pour les pauvres, soit le niveau pour les très très pauvres. Donc, Ole, c'est celui qui donne le Korban qui est tout en haut, ou Yored, celui qui donne
le korban qui est en bas ou complètement tout en bas selon son niveau, selon ses biens qu'il a. D'accord ? Le beddin allait et évaluait les biens qu'une personne avait pour décider est-ce qu'il était en droit d'apporter, à la place d'apporter un mouton, d'apporter deux pigeons, ça coûtait beaucoup moins cher. Par contre, jvouat shav, celui qui transgresse, c'est une jvouat shav, un serment vain, soit parce qu'il jure d'abord pour nier des choses, des faits évidents, il nie qu'en ce moment c'est le jour ou c'est la nuit, et tout le monde peut juste lever les yeux dans le ciel et voir que c'est n'importe quoi ce qu'il raconte, ou bien même s'il le jure pour attester quelque chose qui est évident. On est en journée, et il jure qu'on est en journée. Il y a un poteau, on va prendre l'exemple, un poteau qui est en pierre, et il jure qu'il est en fer. Tout le monde voit que c'est la pierre, qu'est-ce que tu racontes? Ça s'appelle une joie de chave. Celui qui transgresse une joie de chave, Chayvin al-Zdona makot, on est passible, lorsqu'on la transgresse consciemment, makot, on est d'être frappé, Lotisat Shem Hashem Lokecha Lashav, c'est explicite dans la Torah, c'est un des 10 commandements, par contre, si on transgresse Beshogeg, on ne savait pas que c'était assourd. Je voulais m'amuser à. Ça m'amusait, je savais que ce n'était pas très bien dans la Torah, mais je ne savais pas qu'on était passible d'un Chiouv Malkot, par exemple. Et bien, malgré tout, donc c'est un niveau de Shogeg, malgré tout, je suis patour du Korban, étant donné que le Korban n'incombe que pour la Shvouat Bitouille, lorsque l'on s'engage à faire quelque chose. Au futur, selon Rabbi Shmuel, qu'on a dans les deux Mishnah précédentes, au futur ou même selon le passé, selon Rabbi Akiva, mais en tout cas, des choses qui nous incombent, qui sont nécessaires que tu le dises, que tu affirmes ou que tu nies. D'accord ? À la différence de choses qui sont des évidences, ça s'appelle le Shvouat. On a fini d'expliquer la Mishnah, maintenant on va remettre le zoom sur la nécessité de la Mishnah de prendre trois cas de figure en mentionnant des expressions différentes. Je vois Shalom Ochal Kikarzo. Je jure que je ne vais pas manger ce pain. Je jure que je ne vais pas en manger plutôt. Et je jure que je ne vais pas en manger. Là, non, que je ne vais pas le manger. Ouais, plutôt comme ça. Je jure donc. D'accord. Et trois expressions. D'abord. Donc pourquoi avoir explicité trois expressions? La Gemara explique, c'est rapporté dans le Bartanoura, que d'abord. On a dit les deux premiers cas pour t'apprendre que, dans ce sens-là, lorsque tu vas dire « je jure que je ne vais pas manger de ce pain » et « je jure que je ne vais pas le manger ». Voilà, si je veux bien traduire, il faut traduire que « shelo chal kikarzo », même si dans les mots c'est pas explicite, mais la consonance, en tout cas, elle explique, c'est on entend là que « je jure que tu ne vas pas manger de ce pain ». Et après tu dis « je jure que tu ne vas pas manger ce pain ». Il y a une différence entre ne pas manger de ce pain et ne pas manger ce pain. Lorsque tu jures que tu ne vas pas manger ce pain, ça veut dire que tout le pain, c'est lui le gros interdit que tu t'interdis. Qu'est-ce qui se passe si tu manges que la moitié du pain? Concrètement, tu n'as pas encore transgressé ta shvouah lorsque tu jures que tu ne vas pas manger ce pain. Par contre, lorsque tu jures que tu ne vas pas manger de ce pain, alors là, dès que tu vas manger une quantité conséquente, un kazaït, selon même le début du péret qu'on apprenait, Rabbi Akiva, même manger une miette, alors tu transgresseras déjà ta shvouah. Parce que ce que tu t'interdis, c'est de consommer de ce pain, même si ce n'est pas tout le pain intégralement. D'accord? Donc, on a dit deux cas de figure. Au passage, c'est-à-dire, le but de la Mishnah, c'est d'apprendre que en shvouah, halal shvouah, lorsque tu as juré, tu ne peux pas, et que tu jureras une deuxième fois pour interdire la même chose, le deuxième serment ne va pas t'incomber. Malgré tout, on a utilisé des expressions différentes pour te déduire. Sache que si tu avais que ces deux-là, de shvouah, shalom, halal, et je vois Shalom Khalena, je jure que je ne vais pas manger de ce pain après, je jure que je ne vais pas manger ce pain. Sache que dans ce sens, la deuxième je vois, ça s'appelle une joie Khalaïsour. Je vois Khalal joie. Donc il y a le problème de joie Khalal joie, un serment qui va concerner quelque chose qui est déjà interdit par une joie. Mais si tu l'avais prononcé à l'inverse, soit tu avais commencé par dire je jure que je ne vais pas manger ce pain. Et après, tu jures une deuxième fois et tu dis « je jure que je ne vais pas manger de ce pain ». Et bien cette fois-ci, la deuxième serment marche selon tous les avis, même selon l'avis de Rabbi Shimon qu'on a prenait plus haut. Pour quelle raison? Parce que lorsque tu as prononcé la première shvouah, tu as interdit le gros ensemble uniquement en disant que la shvouah interdite, non plutôt, tu as interdit un tout petit ensemble. C'est le pain si tu le manges intégralement, mais si tu manges qu'un kazaït de ce pain, ouais, la quantité d'une olive de ce pain, tu ne seras pas encore passible de korban. Tu ne l'es pas encore interdit de manger ça. Interdit que
le cas restreint de ce pain entièrement. Alors que quand tu vas rejeter, que tu ne vas pas manger de ce pain, alors là, tu as élargi le cas, l'interdit, parce que tu as dit que tu vas même transgresser, t'interdire, et donc tu transgresseras même si tu manges même un kazaït du pain, d'accord? Ça, c'était la première déduction entre les deux premières expressions. Et le fait d'avoir répété, malgré tout, d'avoir choisi trois cas de figure, en plus, c'est-à-dire d'avoir rajouté le troisième cas, je vois, Shelo Ochelena, on l'a rajouté celui-ci, alors que c'est le même que la deuxième, pour t'apprendre que sache que, une grande règle, lorsque je te dis En Issour Halal Issour, ou En Jvoa Halal Jvoa, lorsque tu as déjà juré sur une chose, tu ne peux pas te l'interdire une deuxième fois, sache que la deuxième Jvoa que tu as prononcée, elle existe. Elle ne t'incombe pas, mais elle existe. Quel est l'intérêt? L'intérêt, il est que si toutefois on réussissait à supprimer, à ôter, à retirer le premier serment, eh bien, le deuxième serment que tu as prononcé, il entrera alors en vigueur, il sera Khal. Et de même, lorsque tu prononces trois serments, trois shvuot, alors on a dit, la première t'incombe, mais pas la deuxième et la troisième. Si toutefois la première s'arrête, eh bien, la deuxième sera Khal. Ouais, elle t'incombera. Et si la deuxième s'arrête, la troisième sera t'incombera de nouveau elle aussi. Comment c'est possible que la première s'annule? Qu'est-ce que ça signifie que la première s'annule? Que le serment s'annule? La réponse est très simple. On le fait tous les ans quand on fait Atarat Nedarim. Ouais. On fait, dans Kol Nidre, on dit Lash Vue Velach Rame. Même, c'est-à-dire, dans Nedarim comme dans Shvuot, quelqu'un qui s'interdit une chose et qu'après il regrette. Et après il regrette, il peut aller voir un Rav, un Talmid Chacham, et le Talmid Chacham il va être Oker, Neder, Meikaro, il va déraciner le serment. Il va lui dire, ah, mais si tu avais conscience que dans telle circonstance, que ça t'engageait trop de jurer, aurais-tu quand même juré? Et s'il va nous dire, non, je n'aurais pas juré, alors le Chacham va lui dire, alors je t'annule le Neder, les Mafréa. Ou bien je t'annule le serment, les Mafréa. D'accord? C'est clair? De ce fait, maintenant on a trouvé le cas, tu as en escalier, tu t'es imposé de trois shvuot. Une même action, tu l'as interdite de trois manières. La première t'incombe. Les deux autres shvuot ne t'incombent pas, mais les deux shvuot sont encore là. Si toutefois tu vas supprimer la première, tu vas dire dans telle circonstance, quand au moment où j'ai prononcé ma shvuot, j'étais pas assez conscient que ça m'engageait de trop face à telle situation. Donc le Chacham va l'annuler, ben, la deuxième joie va t'incomber. Et si tu l'annules, la troisième joie t'incombera. D'accord? On a tout fait à l'oral. Regardez, on refait tout ça dans les mots. C'est les deux principes des deux parthénois. Je vois Shalom Khal Kikarzo, je vois Shalom Khalena. Je jure que je ne vais pas manger de ce pain, et je jure que je ne vais pas le manger. Ta'ama da'amar Shalom Khal va'da'amar Shalom Khalena. La raison de cette qu'il n'a incombé, que la première joie, le premier serment lui incombe, c'est que, ou, la raison elle est parce que, ou de'en ochayav la'achat. Pourquoi chez Enjvoa Khalal Jvoa? Car dans ce cas précis, on dit que Enjvoa Khalal Jvoa, une Jvoa ne va pas lui incomber si cette action est déjà interdite par un premier serment. Aval Amar Techila, par contre, s'il a commencé par dire Jvoa Shalo Khalena, je jure que je ne vais pas manger tout ce pain, mais cette unité-là du pain. Et après, il a rajouté Vadar Amar Jvoa Shalo Khal. Et après, il a dit, je jure que je ne vais pas manger de ce pain. Ve'achala kula, et après, il la mange entièrement. Chayav shtaim, il sera alors passible de deux korbanot. Le premier, parce que chaque kazaït, sans soi-même un nouvel interdit, donc lui, il a fait tout ça d'un coup, il a tout oublié. Mais malgré tout, il aura transgressé d'abord la deuxième joie, il aura transgressé parce que chaque kazaït était en soi-même une action grave à ne pas transgresser. Et après, lorsqu'il va atteindre la totalité du pain, eh ben, il aura transgressé même la première joie qu'il avait prononcée. D'accord? De rien marche Shalom Khalena, parce que depuis le moment, il a dit que je jure que je ne vais pas le manger. Et no chayav, que je ne vais pas manger de lui. Et no chayav at Shalom Khalena. Non, plutôt. Je recommence, excusez-moi. Avalamar Trila, Shalom Khalena, je reprends depuis le point. Avalamar Trila, s'il a commencé par dire Shalom Khalena, que je ne vais pas le manger. Vadaramar. Shelo Ochal, et après il a rajouté que je ne vais pas en manger. Ve'achala Kula, et après il a mangé intégralement. Chayav Shtaim, il sera passible de deux korbanot. Pourquoi? Dechi Amar Shelo Ochalena, parce que depuis le moment il a dit que je jure que je ne vais pas
le manger, et no chayav shel ochal kula. Pour le moment, il n'est pas possible qu'il le mange intégralement. Et après, lorsqu'il revient à la charge et qu'il nous dit, je jure que je ne vais pas en manger, kigon shachal mimena kazaït, kevan shachal mimena kazaït, depuis le moment où il va commencer à manger un premier kazaït, chayav, il sera déjà passible d'un korban. Il kach ashvua acharona chayla. De ce fait, la deuxième shvua, la dernière, tant qu'il n'en était que à deux, elle va être chal, elle va entrer en vigueur, elle va lui incomber aussi, elle aussi. Ou Mikhaïev qui a chil mina kazaït. Et donc il sera condamnable depuis le moment où il aura mangé un kazaït. Mikhaïadar a chal kula. Et ensuite, lorsqu'il atteindra la totalité du bain, Mikhaïev, Mishum Jouar Lejona, il sera à présent chayav d'apporter un second korban à cause de la première, je vois. Ok ? Maintenant, le fait que la Mishnah l'a répété deux cas où c'est la même phrase, je jure que je ne vais pas en manger, je jure que je ne vais pas. Que je ne vais pas le manger, je jure que je ne vais pas le manger. Pourquoi tu me répètes de nouveau? Pourquoi tu as pris un exemple tellement élargi? Alors le Bar Tanoura nous enseigne comme ça. Afal gav de mishvua shel ochel en ashniya sham einan den shvua chalal shvua. Bien que il suffisait de laisser la deuxième, les deux cas de figure, les deux cas de shvuot que shel ochel ena ve shel ochel ena, pour déduire que la grande règle en shvua chalal shvua, une joie n'incombe pas. Lorsqu'une joie a déjà été prononcée pour le même sujet, malgré tout, Tanalan, joie shlishit, le Tana nous enseignait une troisième joie, la shmuinan de chiyuva ou de leika, joie de batraïta. Pour t'enseigner que, certes, il n'y a pas de condamnation sur le deuxième, sur la dernière joie, le dernier serment. Aval ha shvuot hen, veloyatsu levatala. Sache malgré tout qu'elles sont toutes des shvuot, ils sont tous des serments malgré tout. Veloyatsu levatala, ils n'ont pas été exprimés en vain. Quel est l'intérêt? Veimim tseu makom yachulu. Et s'ils trouveront une place pour t'imposer, eh ben, ils t'imposeront. Ils entreront en vigueur. Sheim nishal lechacham. Quel est le cas? Sheim nishal lechacham al rishona. Car s'il va ensuite poser la question, hein, il va demander à un chacham, un talmid chacham, de lui annuler le premier serment parce qu'il a été prononcé dans des circonstances particulières qu'il n'était pas prêt à jurer. Dans ce cas-là, Alta, Shnia, Tartea, et bien la deuxième viendra et lui incombera à sa place. Venesar, Badavar, Mishum, Joachnia, et dans ce cas-là, il sera imposé de ne pas manger à cause du deuxième serment. Vechanim Nishal, Alashtaim, Khalash, Lichit, et idem aussi, s'il va faire sauter ensuite le deuxième serment, et bien la troisième, elle va être actionnée et elle va entrer en vigueur maintenant. Les fichiers Kham, pourquoi c'est comme ça? Les fichiers Kham, Oker, Neder, mais Ikaro, car le Chacham a la capacité de déraciner depuis sa source le Neder, soit le Neder ou la joie. Donc dès qu'il va supprimer la première joie, eh ben on va considérer qu'il n'y a jamais eu de joie. Dans ce cas-là, la deuxième joie, elle devient la première. Donc il va s'avérer maintenant que, on va le considérer comme si il n'avait jamais prononcé un Neder ou une joie, et que la deuxième va rétroactivement et lui incomber depuis le premier moment de la joie. Sha'ara rishona kemisha'ena, puisque la première est comme si elle n'avait pas été prononcée. She'ena ho'il venisha'al alea, car il a demandé, il a trouvé un pétach au neder, ça s'appelle, il a réussi à la faire annuler par le chacham. Vechen kshenishta'al al ashtayim, are keilu ena enam, vechala shlishit le mafra. Il en va de même lorsqu'il va donc ensuite demander au chacham de lui déraciner les deux premiers shvuot, alors la troisième va lui incomber. Et ouais, les mafrères, rétroactivement. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la sacha, comme tout, c'est là.